C'est le départ. On s'en va pour Stowe. On va passer là-bas 3 jours, 3 nuits, 3-4 jours. C'est pour la fête de grand-maman. Bonne fête, grand-maman. Toute la famille, nous autres, on y va aussi. Michel, est-ce qu'on est content? Oui. Content, content, yes. Ah ben oui. Je pense que ça va être un voyage de ski. Super cool, on prend la route, on s'en va à travers Sutton. Ça fait vraiment cool. On vient de passer les lignes, mets du gaz, et puis ici tout de suite, dans la petite place où ils vendent du gaz, il y a 3 chasseurs là, habillés en camouflage. C'est très différent. Puis l'architecture, tout de suite, tu passes la ligne, ça change. Après avoir mis l'essence, on fait une petite pause pour allaiter Marie-Rose. Puis après ça, on continue. Il reste 1 heure pour être arrivé à Sto. Oh, maman, pourquoi elle a apporté le même gars? Parce qu'il y a une piscine à l'hôtel. Hey, Marie-Rose est bien contente. Oh, rassasiée. Oh. Ah, donne-moi ça! Tu la fais comme ça, puis là tu me dis quelque chose de brillant. J'ai une pipi, j'ai une pipi, j'ai une vidéo, vidéo, une pipi. Bravo, lâche ça. Ça, mon Dieu. Ah ben, regardez ça, ce qu'on voit là-bas. Bon, en tout cas, au loin, on voit les pics, là. On pense bien que c'est là, Stowe. On va aller visiter la brasserie de la famille Von Trapp. On est arrivé ici. Et puis, c'est en haut, vraiment proche d'un pic de montagne. Ah! Yeah! C'est la première fois que Marie-Rose sort du Canada. They look like siblings. T'aimes-tu ça, les États-Unis? Ouais. T'aimes-tu ça? Peut-être qu'il y a des gens dans le qui vont venir du Québec. T'es bien content. Bien content d'être à Stowe. Ouais? Ouais. T'as déjà fait du ski ici, toi? Non, jamais ski ici. Ah non? J'ai skié sur le Mansfield, mais en backcountry, l'autre côté de la montagne. OK, OK. C'est la première fois dans la station. Il y a une cabine que c'est juste des cabines à 8. Okay. Il y a une cabine pour changer de côté de la montagne. Il y a 2 télécabines. Okay. Il y a 3 télésièges débrayables. Une télésiège à 3, un télésiège à 2. Non, 2 télésièges à 2 en fait. T'es jamais venu? Jamais venu, mais j'ai étudié la carte. J'ai étudié. J'ai checké sur internet quelles sont les meilleures pistes. Okay. Alors, on sait déjà à peu près qu'est-ce qu'on pourrait aller faire. OK. Et est-ce qu'il y a du ski soirée ici? Il y a pas de ski soirée, mais il y a plein d'activités pour combler nos journées. On peut faire du patin à glace, on peut aller à la piscine, on peut aller au resto. Wow! Intéressant. Hey, ça va être épique ça, hein? Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire à Stowe? Non. C'est la première fois que t'as régurgité aux États-Unis. Elle a régurgité aux États-Unis, pas la première fois. Non, elle avait régurgité à la station d'essence, c'est sa deuxième fois. Deuxième fois aux États-Unis. On s'en va au village. On va aller se promener. Maintenant, tout le monde a une tuque. Tu te réveilles là. Lisa, viens ici. Bienvenue à Stowe, magasin général. Montre-moi dans ça, Nico. Ça va? On cherche une tuque pour Alexandre parce que là, la seule tuque qu'il y a, c'est une tuque avec le logo de Google Cloud dessus, puis je t'en ai. Mais là, quand j'y montre le rack, la seule qui l'intéresse, c'est celle-là. Pourquoi? C'est celle qui ressemble à celle de Google Cloud. Ah, c'est ça que je veux. Moi, je pense que celle qui irait le mieux à papa, c'est celle-là. Ils sont beaux, ces bras-là. Toi aussi, hein? Vas-y, Clyde, mets-moi là, c'est à toi. C'est bon? Maman, regarde, ça flash-tu? Bon, ben c'est pas pire, Mimi, garde. T'as l'air brillant un peu, non? Hey, les amis, moi, j'aime bien ça, les tuques. Aimez-vous ça? Je trouve ça drôle, hein? Moi, je l'aime. C'est un peu intense, ça fait un peu clown. Ça explique toutes sortes de façons de comment faire un abri, comment trouver de la nourriture, comment faire ton feu. Vous l'avez trouvé? Ah, c'est son chapeau! Ah non!
l'auto. Comme ça qu'on achète les photos. Il faut voir le beau sourire de tout le monde. Là, est-ce que je pense qu'on va la folle? Ici, c'est la chambre à Julien. Nous autres, on est un étage en dessous. On y va. Belle journée en perspective. C'est ici qu'on se trouve. Le Mountain Lodge. C'est comme ça, la montagne est là. On est assez chanceux. On va être ici pour 3 jours. Oh, que ça dort dur, ça, ici. T'as hâte à quoi, toi, de ce voyage-ci? À patiner! Est-ce qu'on met nos patins sur les bras? Non. On n'a pas de patins. Salut! Toute prête? Ok. Première shot de la gondole Over Easy qui part directement de... De l'hôtel! Directement de l'hôtel! Non, quand même, bougé. Faut le faire, hein? Moi, c'est bougé, c'est pas Chartrand! Je pensais que c'était... genre Monsieur Chartrand. C'est quoi? Alors ça, c'est notre première sortie avec les enfants ici sur une montagne inconnue dans un chairlift qu'on connaît pas, Mansfield. Ok, on sort de la gondole, première descente de la journée, poudreuse, powder day. Yeah! Première descente pour nous autres. Ah ouais, y'en a. Alex. Eh là là, ça c'est de la poudreuse, ça! Ben, t'as neige qui s'est accumulée cette nuit. Oh, Polo! Une première défaite! Ça va, Paul? Oui, ça va. Ouh là là! On dirait de ne pas aller trop vite. Ok, Polo? T'as mis tienne, on la remet? Ok, c'est différent, hein? Ça va être bien ici, là. Yahoo! Un jeune homme écrasé! Hey, un Julien! Laurent, lève-toi de l'eau plus vite! Attention, il y a des gens qui arrivent! Oui. Hey, Laurent, ah, lève-toi! Yahoo! Hey, on voit vraiment rien. On suit de proche, ok? Attends. Très beau ici. C'est la Toad Road. C'est la chapelle cachée dans la forêt. Jeanne et moi, on se cache ici. On ne le dit pas. Silence. Il arrive, je suis sûr. Après une bonne bouffe ici, on s'en va. On s'en va en coucher, certains, à la chambre du master. Elle va garder les bébés qui dorment et je vais aller faire du ski. Bon. Youhou! Avec Michel. Hey, je devrais amener Nicolas faire des tours de ça, il serait content. Hey, je suis contente de skier avec vous! Hey, c'est qui est la plus belle vanne stationnée ici? C'est la vanne de la famille Bourget. Wouhou! Alors là, on va essayer de faire du ski, on est rentré. Et puis, voilà, on va vous faire visiter notre chambre. Là, on se va patiner pour la première fois de notre vie. On n'a pas le tour où est-ce qu'il y a les patins. Puis les patins, on les a pas encore trouvés, c'est pour qui? Alors, ça va nous prendre du temps avant que... On les trouve? Oh, on les a! Ils arrivent! Bon. J'espère qu'ils vont y aller. Tu as trouvé des patins, toi, Mélo? Oui!
Aviez-vous hâte de faire ça? Pas vraiment, parce que j'arrête pas de tomber. T'arrêtes pas de tomber? Ça va bien aller, tu penses? Ouais, c'est bon. Michel, es-tu prête? Même ici, ça glisse. Je pense que ça doit faire 15 ans que j'ai pas mis de patin en glace. Moi, ça fait un petit bout aussi. Maman! Polo! Maman! Maman aussi, elle veut y aller. Ah, mais moi, c'est vraiment pas pour mon monde. Maman! Ça servirait un peu à rien, les damer, puis juste le laisser là, avec la neige qui veut tomber dessus. C'est pas Damien, ça, c'est la Zamboni. Hey! Ah ouais, vas-y! Hey, bravo, Paul! Il y a l'air du Père Noël dans cette affaire-là. Et on a ici Michel! Let's do it! Toute la petite famille ici! Faut que ça glisse! Faut que ça glisse! Bravo! Le patin, ça n'a jamais été mon sport. Ni à roulette, ni à glace. Mais. Mais t'es bonne. Faut apprendre à se dépasser. T'es bonne, t'es bonne. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Oh, Laura! Moi, la meilleure maman aujourd'hui, mais j'étais pas là. Marie, tu peux le compter, c'est Jean-François qui s'est arrivé dans le temps. Parce qu'il était vraiment placé à un endroit où est-ce que les employés. Il attendait d'embarquer dans l'auto, là. Et après ça, Jean-François, il neigeait, puis Jean-François, il attrapait les flocons comme ça. Il faisait comme ça avec les flocons. Puis il y a une voiture qui est arrivée, puis Jean-François, il faisait ça comme ça. Oui! Oh non! Il était comme non, non, non! Ne recule pas! Ça s'est passé à 30 secondes que tu rentrais. Mais c'était juste drôle. Le meilleur moment de la journée, c'était. Moi, je suis allée! La première décembre. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, le patin. Le patin, t'aimais ça, Jean? Même s'il était vraiment nul. On est tellement nuls! Non, mais moi, j'ai pris ce. Mais honnêtement, c'est que. On avait pas de pantalon de neige, donc on avait vraiment peur de tomber. Mais c'est pas facile le patin. Moi, je trouve ça vraiment difficile, honnêtement. Paul, il s'est aventuré sur la marche. Puis il est tombé une couple de fois, mais ça ne dérange pas, il se relevait. Ah, mais c'est bon, ça. Tu sais, ma vie, il tient un gars, il n'y a pas de peur de pantalon. Et moi, aussi. Moi, c'est un pantalon de neuf. Moi, je préfère les pantalons de neige, peu importe. C'est moi, avoir mal. Pourquoi t'as pas mis tes pantalons de ski? Mais parce que maman, on est parti avant. Mon vrai moment préféré, c'était quand j'ai couru pour attraper la chaise parce que ça ferme à 4h, puis il était 3h59, ok? Puis je voyais au loin des gens encore embarqués. Je voyais encore des gens embarqués dans la chaise, mais la liste des chairlifts, il y avait toutes des X rouges, comme si c'était rendu fermé. Puis là, j'ai couru. Mais tu sais, moi j'avais seulement fait une piste de ski alors que maman skiait depuis 7h45. Oui. Fait que maman elle était pas capable de me suivre comme, au même rythme. Puis là, je suis arrivée, puis l'employé m'a dit 40 seconds left. Puis je suis comme, but I'm with my mom! Puis là, il a dit, she's not gonna make it. Puis là, il dit, go without her. Je dis, I'm not leaving her behind. C'est comme un film, hein? Mais qu'est-ce que tu disais? Quand on est en bas. Non, mais là, il regardait l'autre fille. Puis l'autre fille est comme, how many seconds left? Il est comme, 10. Puis là, maman, elle allait pas être là. Je dis, please. Puis
Là, finalement, maman est arrivée, puis là, on est embarqué, mais comme, sérieux, il était, le temps était écoulé. Puis il y a un monsieur qui est arrivé 3 secondes après, puis il a dit non. Parce qu'il y a un monsieur qui s'est fait foncer dedans par un autre monsieur, en fait, ils se sont foncés dedans. Puis il était comme, il est tombé par terre, puis il était juste comme... L'autre monsieur, il est pas tombé, l'autre monsieur comme... Non, c'était plus que 4 mètres, là. Il pouvait pas remonter, c'était genre 15 mètres. Ouais. Mais bref, il s'est arrêté dès qu'il a pu, puis il est comme, are you okay? Puis là, l'autre, il a dit, non! I'm not okay! Mais, fait que toi, tu l'as aidé. Mais il était drôle parce qu'il y avait un one piece bleu, puis il y avait genre, elle était juste une cagoule grise sur sa face. Puis avec son one piece trop remonté, on voyait toutes ses bottes, c'était pas très stylé. Oh, thank you! Are you okay? Il a dit, no! Puis là, il me regarde, là, il dit au monsieur, are you hurt? Il est comme, yes! Puis là, c'est de ma montre, are you okay? Puis il est comme, ah, il m'a fondé. Non, je pense que c'est correct. Non, moi, je m'écoute. Il est comme, non, il est juste pisse. Parce qu'on n'a pas assez bougé aujourd'hui. Le jeune fou. Oh, il va peut-être mouiller. Une autre belle journée. Asto, le soleil semble se lever sur la montagne. Regardez ça. 28h30, on y va. Youhou! GoPro! Stop recording! GoPro, stop recording! GoPro, stop recording! GoPro, stop recording! GoPro, stop recording! Voyons, là, il laisse ça enregistrer puis s'en va. T'es prêt, Polo? Oui, s'il vous plaît! Cheese! Et ça, c'est Sto. Mais go, on va aller par là-bas. Dis-le, Laure. Laure. Ah oui. Laure.
Hé Pépé! Hourra! Ça va faire une super belle photo. Lui, il n'a pas de chandail. Elle, elle se fait dresser. Moi, j'ai un linge de table. On est pas mal. Parce qu'il y a du ski, mais il y a aussi une piscine qui va dehors. On va aller voir ça. Yeah, on est à la piscine. C'est une piscine intérieure, mais surtout extérieure. Et la GoPro 7. Ça va. Oh, c'est chaud. Oh. Ah, va dans l'eau. Sans enclosure. Ah, lui, là! Ouh! Je suis le roi de la montagne! Hey, toi! Oh. Oh. On va te la mettre dessus! Oh, c'est froid, c'est froid! Hey, hop! Ah. On va y coller dessus, lui. Ok. Là, j'en ai une. C'est vraiment froid, arrêtez ça! Paul, il va goûter à ça. Paulo! Oh. On va faire la gag à elle à la place. Ok, venez les enfants, ça suffit! Allô, Nicolas! Les pistes, il y a ski Nicolas, grave à part. Oh, il fait froid! Oh, ça recouche! On va aller sur la patinoire. La patinoire est très belle, surtout en soirée parce qu'il y a des lumières. La grande visite. Moi j'étais en ski. Puis c'est bien? C'est ça, ouais. Je pense que c'est le plus de ski que j'ai fait en 72 heures. Ah oui? Depuis 10 ans. Wow. Parce que ça fait 10 ans que je suis en Sainte-Eugélette, alors je vais jamais faire beaucoup de ski. C'est difficile d'aller voir la piscine aussi. Les blancs, c'est comme la pointe en avant. Il y a comme des petits pics. Ben oui. Puis je me poignais là-dedans. Je veux pas que tu filmes juste te parler. J'aurais aimé ça patiner avec toi. Ben oui. T'en as des patins ou non? À la maison? Ouais. Je sais pas. On pourrait y aller? Ouais. Ok. On est dans 2 minutes en vrai. Non! Allez aider votre frère là. Oh! Who's the best? C'est beau! Nico? Tout le monde est là! Ce soir, on s'est arrêté au Costco. On a mangé pour 12$ toute la famille. 12$ US. 12$ US.